Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Toujours un plaisir en ce 8 octobre 2020, 22h50 du Québec. On va rester dans le monde animalier. Ça nous détend un peu de l'atmosphère tendue de toutes les nouvelles sérieuses. Ça se passe en Floride cette fois-là. On s'en va du côté de CBS Miami, hein, le site de nouvelles de Miami, qui nous raconte qu'on vient de capturer le plus grand python birman en Floride. Beast of a Snake bat le record du plus grand python birman capturé en Floride. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien de la vidéo, de l'article, puis vous aurez accès à cette vidéo-là où vous allez voir en action ces jeunes en train de capturer la fameuse bête. C'est officiel, un python birman envahissant, capturé dans les Everglades ce week-end, a battu le record de l'État mesurant 18,9 pieds de long, le record précédent faisant état de 18,8 pieds. Ryan Osburn, un chasseur de pitons sous contrat avec le South Florida Water Management District, et Kevin Snakeyholic. Hein, un Snakeyholic, il y a les Workaholic, il y a les Alcooliques, mais il y a les Snakeholic. Pavlidis, un chasseur de pitons sous contrat avec la Florida Fish and Wildlife Commission, ont capturé le piton de la taille d'un monstre le vendredi 2 octobre, le long de du canal L28, environ 35 000 à l'ouest de Miami. Sur les réseaux sociaux, Pavlidis a écrit vendredi soir, nous avons sorti cette bête, un serpent de l'eau jusqu'à la taille, au milieu de la nuit, au fond des Everglades. Je n'ai jamais vu de serpent près de cette taille et mes mains tremblaient en m'approchant d'elle. Chaque python que nous attrapons peut être potentiellement dangereux, mais un de cette taille peut être mortel, une erreur, et je vais à coup sûr à l'hôpital. Mais plus important encore, c'est un serpent unique dans sa vie. Je pourrais sortir tous les soirs pour le reste de ma vie et ne plus jamais en revoir un aussi grand. Osburn décrit la capture comme une véritable bataille en disant « Je suis incroyablement reconnaissant pour cette opportunité et une expérience que je n'oublierai jamais. Réalisez ce que vous avez quand vous l'avez et chérissez l'expérience du moment. Soyez reconnaissant, respecté et reconnaissant. » Osburn a dit qu'il savait dès le début dès qu'il a vu le serpent qu'il avait une certaine taille, mais ce n'est que lorsque nous avons marché jusqu'au bord de l'eau que j'ai réalisé à quel point, la bête, on peut le voir ici, est impressionnante. Habituellement, les chasseurs de serpents attrapent les pitons par la tête, mais Osburn a dû l'attraper par l'arrière et a commencé à tirer, mais elle s'est immédiatement retournée et s'est ancrée autour de l'arbre, et il a fallu chaque once de force pour l'empêcher de s'échapper. Puis revoir ici la fameuse bête en question. Plus de 5000 pitons birmans ont été capturés et retirés des Everglades de Floride depuis que l'État a commencé à payer des chasseurs pour les retrouver en 2017. Le programme de chasseurs de pitons est géré par le South Florida Water Management District et la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Les pitons birmans ont été découverts pour la première fois dans les Everglades il y a près de deux décennies. On pense qu'ils se sont établis en Floride à la suite d'animaux de compagnie échappés ou relâchés et qu'ils causent de graves dommages au fragile écosystème des Everglades en mangeant des espèces sauvages, indigènes, telles que des poussons, des lapins, des cerfs, des lynx roux et d'autres animaux sauvages indigènes. Il est illégal de relâcher des espèces non indigènes dans la nature. Ils ont réussi à se reproduire dans les Everglades marécageux parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 100 œufs. C'est pourquoi l'État a lancé le programme de primes dans lequel les chasseurs enregistrés gagnent un salaire minimum pour jusqu'à 10 heures de travail par jour, plus un bonus pour leur prise, 50 $ pour chaque piton mesurant jusqu'à 4 pieds et plus et 20, et 25 pour, de plus pour chaque aliment mesurant, chaque autre serpent mesurant au-dessus de 4 pieds. Les chasseurs qui attrapent une femelle python en train de nicher gagnent 200 $ supplémentaires. Les scientifiques estiment qu'il y a entre 100 000 et 300 000 pitons dans les Everglades. Wow, vraiment, hein, toute une histoire. Beast of a Snake bat le record du plus grand python birman capturé en Floride.